Donc, Kouluna est commis autorisé, même devant la police, hein? Donc, devant même le policier. Donc, tu vois, ça va au Kouluna, dans le quartier, aux hommes que battu, aux hommes qui ont battu. Donc, et comme il est commis au Sakalaté. Donc, quand il y a kidnappé surtout un chauffeur, je crois que mon côté a l'image, jeune garçon. Oh, comme que nous voilà, azo drogué, azo drogué, ma chauffeur, pas moi, tu vas remettre tout ça. Bah, notamment dans ma arme blanche, pour que, bah, mes caca, quand ma chauffeur, ah, moi, tu vas remettre tout ça, la bande là. Donc, Boy, bon amour, bandeko, yadé, ojolé, on a émission sa réflexion, yamokolo malélo, bongo, to pesibino, mbote, tika, te kimia, ezala, omabota, mabino, bongo, mokolo malélo, na émission sa réflexion, toye, bongo, kolobelabino, bah, sujet, mbale, to salina yango, toye, bite, bounamata, libalbakete, rentre, ce collègue, si la kosa, le mamokolo malélo, le 12 octobre, donc lundi 12 octobre, on est kosala, rentre, scolaire, pe, yango, et salami, dengue, programme des calendriers scolaires et puis ça m'a qui ban la maison et bongo de la moya qui la si bongo les camo sous ton colombe sous les camo ou en sécurité pour éviter mal de quitter le colombe l'ango concernant ma colonne à casimo colombe ton pot à son abozindo pour te battre le bac qui va te battre au babenga qui n'est mis sur les cas qui pèsent d'abord la colombe la paix ou les allées pèsent à coller café la cesse les sous et concernant ba policier parce que bongo na bongo kuluna bongo kati na mission ya bisse mokomale to ke ba bongo kolobela yango penza na bozindo nyoso bongo na zalinga moko te bongo meso na zali na confrère na ngai Joël Diawa ye pe to na ye longo na ye ndelelo to kolobela makambo o etali rentrée scolaire po pe ba kuluna to ko réfléchir ensemble to koyoka de ko Joël Diawa ni a kolobela biso par rapport ya constapé o ya siliko sala bongo na c'est déjà mbote ndeko bijou maikani et mbote na ba landinyo soya Léon Joléo na yebi que présentement baza vraiment ebelé au bazo landa biso na émission na biso à réflexion merci na confiance au bozo continuer ko sala biso et nazo ko assurer bino que boko za la dessuté tout au long il y a émission à Mokolo Alelo. Santé d'elle malamou. Oui, santé, ils allaient vraiment malamou. Ndengozomo na kaka. Donc nous continuons à tenir malgré la conjoncture du pays. Tous allaient santé za malamou. OK, merci beaucoup. Mandekoli mais c'est moi moqué. Donc toi tu as la moi grippe beaucoup libre c'est moi moqué. Tant on aura clé voir beaucoup libre ça pensa makasi ningi. Bongo to kobanda likambo et ali rentrée scolaire. Pour passer la chantage à mes parents pour que je foute un bongo. Yo moni nengi nini par rapport y'a nengi ma bongo ici rentrée scolaire yango. Est-ce que ma précaution est et zoi pesa nengi le bongo bani pour la sécurité surtout y'a bani. Bon parlant y'a rentrée scolaire, je crois que nako préféré kokende point par point. Okay. Question oyo abordé y'a sécurité y'a bana et zape point oyo nako préféré ko évoquer. Mais na linga ki na bandana nou na kosa la constat général ya rentrée scolaire je crois que bibi sonyo so que l'année scolaire 2019-2020 a été perturbée par la pandémie ya COVID-19 alors bon enseignement était ça ma qui vraiment mal amouté moni par un forcing le ministère de l'enseignement a organisé quand même test pour les élèves finalistes et humanité dans l'école primaire. Tout à fait. Bien que enseigner Pesama qui vraiment mal amouté. Élèves, il y a classe montante, c'est-à-dire de la première à la cinquième. On va calculer les points par rapport à Oyo déjà qui. Donc, trimestre, Oyo Tangela qui. Point Oyo Pesaki Bango. Il y a une péréquation de Bengaka.
pour que bamika ko bimisi la bango ba résultat ou permettre bango soit ba passer ba classe soit ba reprendre wana eza eloko liboso constat auto sala liboso eza que la matière n'a pas été très bien dispensée na année académique ou eleki donc bana na biso o bazongi kelasi baza vraiment na ba déficit ebelé parce que batanga ki malamu te. Là, c'est un point où il faut tout relever. Oui. Parce que toujours c'est pour la caca classe et zone, classe et zone. Alors que, bah, on a vu ça, formation, puis on a mal à mon pays, ça m'a quitté, dans l'année scolaire ou et outil collègue. Deuxième point, on a quoi aborder, et là, où est la pandémie à COVID-19. Pardon, dès que je vais dire, ouais, et qui sont mon collègue, pour le dire que par rapport, il y a une bonne à eux, ma classe, je suis un point, ou bah, qui pendant un semestre, n'est-ce oui. pas? Hein? C'est celle qui que bah la classe. Est-ce que vous banditez? Bana, ils ont la balle reprendre ma année. Parce que ça va me souper pendant une période de temps sur le travail qui m'a monté. Oui. Parce que rien n'a qui peut me souper et ça va me souper à lui que non, c'est par rapport au pays à foutre à m'énerver. Il y a des temps sur que non, moi, je suis à la classe. Mais école, monsieur Sali, à mon bon. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que tenir pendant contre un bloc ou un an, que non, voilà, moi, je suis à la classe et à ma classe, c'est quand même. Moi, je m'en tiens à l'information officielle, c'est que les officiels nous ont dit, c'est-à-dire que le ministère de l'enseignement, monsieur le ministre, Ebisa Kibiso, Willy Bakonga, que la classe montante va calculer le point selon la péréquation, c'est-à-dire le point où il y a une période où il y a une période où il y a une ba saleli yango péréquation pour que ba tala pourcentage au bana ba kozwa pour ba passer na ba classe ya likolo ba oyo ba zuite ba zwa kité ba sali péréquation ba ba zwa kité ba za censé ya ko bandela. Mais est-il que tu aies la façon dont l'enseignement se dispense awa na mboka na biso kiloko wana lobby et oki kozala pe hypothèse auto ki ko négliger te parce qu'on connaît que na bekol mususu ba koma ko conditionner ko passer ya bana par le paiement ya ba frais donc ceux qui moi na on a zu a foutre qui m'énerval té a ko lekaté ceux qui moi na salé bo sal examen té donc et le col obi wana to ki ko négliger ngoté donc ba bi ke na bekol comme que ba bon payeur ko ba ba élève wana foutre ka na bi ke ah moi na on a papa ba ngwa foutre ka biso m'énerval bien to ko tika ya bandela té. Moi, na wana, papa na bango ayaka a tout temps ba connaissance na famille toko tika ya bandela te. Le clientélisme, c'est ce qu'on appelle en français le clientélisme. Oui. Donc eloko wana to ki ko négliger ngote aspect wana, il y a aussi de ceux-là qui ont procédé de la sorte pour que ba faire passer bana na ba classe supérieure. Okay. Ça c'est un fait. En deuxième fait, il y a Covid na zonga aidé musoyenga. Un deuxième fait, Tomoni, classe Zongi, bien sûr. Mais qu'en est-il? Il y a Bana, au Baouté, au sein de l'examen d'État, na année où il est qui? Tomoni, a publié le résultat de l'examen d'État. L'option sous-sunit, l'option technique, na Kinshasa, a publié. Na intérieur, na ba province de Bélé, a publié le résultat. Mais ben, on a déjà bandi classe. Là, moi, je me pose la question. Ben, on a présenté qui est examen d'État. Ce qui est arrivé que ba zuite. Tant que ba pour ba zonga ba banda classe. Au monité que ba en retard y a matière. Ba on a vraiment en retard y a matière. Déjà année passée ba tanga qui bien té parce que Covid et qui ko baby ça ko perturber calendrier scolaire. Année O sous supposons que mon ta zuité a bandé la année O a bandé classe na retard. Moni que tozo aider vraiment ba na bi sauté. Tozo aider ba élève wana te ba za na formation complète. Donc c'est un aspect aussi qu'il faudra bien prendre en compte. Moi je crois que le ministre bien que ba pour ces ala qui bana bazonga bana bazonga bana bazongi, mais moi je crois que le ministre est allé un peu vite en besogne parce que fakati kananu
pour éviter la raison, il y a ça que jusqu'à présent, le résultat de l'examen d'état d'option soucieuse à la publicité. Vous et moi, nous ne connaissons absolument rien. Or que, dans l'année antérieure, que ceux qui examen d'état depuis 2008, à l'époque du ministre Makaire Mwangu, examen d'état, ce qui est bimi, option yon se bimi mbalamoko. Depuis 2018, ça se fait comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait que, quand on a année oyo, examen d'état ndambwe bimi, msou se bimi te boze la nanou, msou se bimi boze la. Mais je veux dire, en tant que compagnie sango, yon qui a été le commandant, il s'est dit que la raison est vraiment valable, c'est que le résultat est que la technique est la combinaté. Les autorités ne communiquent pas là-dessus. C'est ça le grand problème. Moi, je ne sais pas si tu as dit que tu as une information. Parce que la population a une inquiétude, surtout si tu as présenté. Tu as évité que tu as examen et tu as pourquoi. Alors, si tu as dit que tu as une autorité, tu as le pourquoi. Tu as une réponse. Donc, jusque-là, il n'y a aucune communication officielle pour un retard. Donc, tu es bien goûté ce qui est pour nani. Mais selon les ont dit, c'est ça que pour bah si sinon qu'on corrigeait. Mais moi je ne suis pas d'accord. Donc on corrige qu'une partie et l'autre partie. Bah corrige qu'une partie, bah publier les autres. Là moi je ne suis pas d'accord avec ça, puisque ce sont les mêmes personnes qui corrigent. Qu'est-ce qui a fait que année Oyokaka correction et soit retard, il y a option sous. Là, il y a à boire et à manger. Donc, dans un sujet, élève, formation et ça intégralité, parce que rataki déjà une partie à formation année passée, année où il y a un retard pour que tu aies un retard. C'est-à-dire que la formation des élèves est un peu tronquée. Et katana. Bah élève wana lobby bozala vraiment utile na société parce que bazana une partie à formation oyo et zozanga bango. Donc sur ce point-là, je crois que le ministre n'a pas bien joué. Soit il aurait dû faire de son mieux pour que abimisa ba résultat nyon sonzela moko. Et puis bana ba banda classe. Ceux qui ont bimisi ba résultat nyo sont là mon côté bana ba bandi classe ba oyo ba koya ko reprendre wana ceux qui ba zuité ba ozana retard. Mais une fois je vais dire une fois nakaka le quand il est au awa période ozaki pendant période il y a confinement au bala ba fana ki président ndako na meke ko sonna quelques enseignants au bala ba ki que programme, comment est-ce presque un programme dans Souka. Donc, il y a comment est-ce qu'on peut poser problème et alité. Donc, il y a des gens qui ont matière, comment est-ce qu'on peut dire juste quand on a deux semaines de matière. Ça, c'est faux. C'est faux. Là, ce sont eux-mêmes les enseignants. C'est faux. Si on veut calculer, allons tranquillement. Année scolaire est bandarana septembre, n'est-ce pas? Septembre, octobre, novembre, donc aujourd'hui, septembre, octobre, novembre, décembre, premier trimestre, Sili. Janvier, février, mars. Deuxième trimestre. Donc, on a besoin de formation à deux trimestres. Formation, on a besoin de trimestre, il y a trimestre. C'est-à-dire que, d'ailleurs, deuxième trimestre, on a besoin d'une partie à formation. C'est-à-dire, on a besoin de trimestre et moronandam. Trimestre et moronandam, donc on a la moitié. Il y a matière où il y a qui prévu. Vous voyez? Enseignant, on a besoin que, quand même, la majeure partie en matière, moi je dis c'est faux. C'est faux parce que le trimestre est mon andam. Et trimestre mon andam, tikali et keboy. Donc, sur ce point-là, moi je suis contre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, c'est ton Oui, c'est mon point de vue et c'est aussi plausible parce que c'est la réalité que nous vivons. Soit plutôt calculé. Bah trimestre ndenge biso yonso to tanga quand même école primaire école secondaire bah trimestre ndenge zalaka to mona que bana batanga ki matière ndambu. Mais il faut comprendre que je vais dire aux enseignantes et bon enseigner le bac hier mot non ngapena tanga est-ce que période na biso bah trimestre zalaka ndenge mususu bandeko peut-être que le monsieur peut changer non et l'autre changer t'es tu as dit que premier trimestre zalaka de telle période à telle période de biso peut tozana bana to tangi sakati to tangi sa bana na biso. Tu es bien que moi, je suis en classe, je contrôle la cabane.
on que matière au ezali banda trimestre et au titre trimestre wana deuxième trimestre troisième trimestre to ebi matière ndezalaka programmé. Donc oyo lo ba que matière to zwa ki une grande partie à matière c'est faux. Alors na ebi te soko permettre nga rapidement na kota na troisième point au ezali COVID-19. Oui. Le gouvernement aurait dû prendre des précautions par rapport à la pandémie à COVID-19. Bana bazo ko tumuni bana mikietang bazo basé sika moko au pekisa bango te au bosa kanate pendant la récréation non ato pekisi bango na récréation tant bo bimakela si bo bimanzela moko. Moi, le constat que j'ai fait aujourd'hui na tamboli tant on a zo tambola na mu na ba école o natali namoni ba élève bana ba cache nete or baba ki alors que baba ki cache nete est obligatoire namoni ba élève na ba cache nete. Est-ce que vous avez responsabilité à parents tes responsabilités zo qui pas na ba école. La responsabilité est partagée. Non, pas de choses qui non moi pour moi la outil que école ta moi la outil. La responsabilité est partagée. N'école pardon na ndaku ba ko pesa moi na cache nete zo la ta cache nete kende na ngoto bi bana biso OK n'école sakanya sakani abungisi na cache nete par exemple. Lobby au kende su soya na ndaku mama luka appeler sa cache ni mususu lobby kuna ainsi de suite. Alors les écoles en connivence avec le ministère du tutelle le ministère des tutelles pardon balinga ki bazwa ba précaution misusu pour que ba meka ko protéger bana parce que la maladie existe il faut ki bazwa ba précaution pour que ba protéger bana contre la pandémie. Là c'est exposé en plus. Tu as vu que nous sommes pendant la période de la gratuité de l'enseignement, oui, oui. N'est-ce pas? Surtout, oui. Alors, ma classe, ma salle de classe est abondée. Dans l'école publique. Dans la salle, souvent 150 élèves. L'école publique au Kendebwe, peut-être au Moni. 200. 150 élèves, nos lobbies, 100 élèves, 200 dans une salle de classe. Alors, la distanciation sociale n'est pas respectée. Comme la distanciation sociale n'est pas respectée, ces enfants-là sont exposés. Quelles sont les précautions que l'État congolais a prises pour les salles de classe qui ont plus de 50-70 élèves, par exemple? Aucune précaution. Aucune précaution. Alors, sur ce point-là, moi je crois que c'est mettre aussi les élèves en danger. Nous sommes en train d'exposer nos enfants face à la pandémie de coronavirus. Donc, c'est que l'État congolais, il faut qu'il va ça là. Il faut qu'il va avoir des mesures. Par exemple, dans la salle, dans le Kaboula, dans le Sendeban. Il y a une salle où surtout la salle, il y a la première, ainsi de suite. Il y a 70, 80 élèves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Kaboula, tu tiens à salle moko par exemple 20 élèves. Na ba enseignant ni kako payo sous la gratuité ba enseignant comme le kobo ba ko tangisa. Mais on nous a dit que les enseignants sont payés. Le dernier des enseignants toucherait 180 dollars. Je le dis bien au conditionnel, toucherait 185 dollars. Mais enseignant, bon, les lois, les sujets, nous sommes évoquant aujourd'hui, nous sommes. Mais tout ce qui est sujet, la proposition, moi, j'aurais voulu que cette histoire-là, surtout dans la classe, où il y a la salle de classe, où il y a l'élève et belé, il y a Kaboulabana. Vous dites par exemple que cours est à la cabane avant midi, il y a de 7h30 à 12h. Réduisez même le nombre d'heures d'enseignement. Dans une première vacation, on va attendre peut-être de 7h à 10h. Si ici, on va deuxième vacation, on va être de 10h à 12h. Troisième vacation, on va être de 12h à 14h, par exemple. Quatrième vacation, on va être de 14h à 16h ou 17h. Nous on a juste pour nous à disposition, pour nous kabola belève bas à l'ébélété dans la salle, pour nous éviter propagation. Il y a coronavirus et pas il y a bas dans la classe.
Et moi, je pense aussi que Diawa, ils appellent comme il y a propagation, ils appellent comme oh que non. Voilà, moi, ni gros à 80 dans salle encore. Ouais, donc moi, on a voyé par autant dire, est-ce qu'on peut pas contrôler que non, voilà, ou contrôler cahier à moi un tel, parce que déjà avec déjà au 30 déjà, ou comme souvent dans ma vie école primaire, si quand on a première, est-ce que mes enseignants vous en attendent pour contrôler, ben là, ni on sort tous 100 élèves, 150 élèves dans quatre salle encore, je ne sais pas. Ça, c'est aussi un autre problème, une autre question. Voilà, ça nous ramène à la gratuité de l'enseignement. Si vous voulez que nous puissions faire juste une parenthèse, on va le faire. On parle de la rentrée scolaire. C'est difficile pour un enseignant qui touche 70 000 francs congolais à attendre naïe à contrôler les manuels scolaires. Il y a plus de 150 élèves. Enseignant avant le mois on a une école à l'été. A une école ba poussière y a ba créoana azo inhalé ango. Aza na nzala azo tant que ça malgré lui il enseigne comme ça. Aza na nzala. Toi tu crois que cet enseignant là aura la possibilité à kozapena y a kolanda minutieusement ba note y a chaque élève so baza 150 na classe. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Même dans une telle salle de classe, l'enseignant n'aura pas la possibilité de bien enseigner. Parce qu'il y aura un dérangement terrible. Gérer plus de 150 enfants il y a 6 ans. Parce qu'on suppose première, primaire, c'est 6 ans. 6 ans, oui. 150 enfants il y a âge, il y a 6 ans. Au gérer, ce n'est pas facile. Il y a un autre qui dit que. Bako tonga ba salle de classe misusu soki ba élève ba leke belé bako yela bango ba tante pour ba créer ba salle de classe misusu na ba tante, mais jusqu'à présent rien n'est fait. Donc classe ezongi au lieu de sa premier jour il y a rentrée scolaire mais avec le temps au komo na par exemple tant au komo na deuxième troisième semaine ndo au mona penda ba élève ndé bako yé belé na ba salle, alors ça sera un sérieux problème. Est-ce que les conditions des enseignants ont été arrangées? Non. Les enseignants continuent à rester dans les mêmes conditions. Balaka ki bango que bon, premier palier to comme Sabino par exemple na 180 de parce que dernier palier, il faut ba koma na $250 quelque chose comme ça. Mais premier palier ango d'ailleurs. Ba enseigner belé ba komina ba $180 on a été comme prévu. Et pire encore, Tozanaba NU, nouvelles unités, voilà. Naba NP, ba non payé. Bijou maïkanyo, et biba tout, naba ande ko futa mandengeni. Ba NU, naba NP. So kinga y parent na futi frais scolaire. Bango ne bande ko futa, parce que bango bazan na numéro matricule, te l'état futa rabango te. So kinga y parent na futi. Frais scolaires, mbongo wana ndé ndé ko sala que ba nouvelles unités na ba non payé ba futama. Ba twana siko yebisangai ba futama té. Pendant qu'il y a gratuité. Gratuité et koti ba parents ba futa sous mbongo té, bango pe ba futama té. Ba otangi sa siko ndenge nini na ba condition nini. Oyo nanu aza engagé à futama kana l'état azoya et ça langa passé hein. Au moins, nous enseignement. Nous tous, nous avons eu la passion d'enseigner. Au loba matière au ngana zoa, peut-être un jour dans ces pelanga pena transmettre et ngona bat. Mais voir seulement la condition, les conditions de vie de nos enseignants. Façon enseigner azo kemba hoteli pela. Ezo pesa yo dégoût. Ezo pesa yo dégoût ya kokoma enseignant. Ya kotangisa mantoza ba enseignante hein, mais avec la matière que nous avons apprise, tozaki na posa to transmettre yango quand même. Na bana misusu poto like ça ba on peut que biso pe to tanga quand même matière ona to kanga manango biso moté to transmettre, mais ba condition ozo mona ba enseignant ba vivre ezo so nga personne qui est à nga jeune boy. Jeune homme qui m'enseigne. Et puis tala kanga jeune boy. Ce que tali la plupart des enseignants
Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Tu évites enseignement de Kenya. C'est normal d'arriver à l'abri de votre pratique. Et ça, le Congo, caca. C'est la RDC. Vraiment négligé. La RDC est le seul pays au monde où le secteur d'enseignement est négligé. Pas seulement l'enseignement. Hein? Non, tout ça, c'est quoi, tout ça, le même enseignement. Oui, oui, on les a entre parenthèses. Tu peux partir même ici en face de chez nous, na Congo Brazzaville, tu peux partir au Rwanda. Au moins, on a les conditions sociales des enseignants. Mais ça te donne l'envie d'enseigner. Il y a qu'est-ce qu'on est pas n'abîmé, on a souliers enseignants là-ti. On a pantalon enseignant là-ti. Tu te poses la question, mais nous sommes dans quel pays? Non, je ne sais pas. Voilà. Mais un enseignant. Et ce genre-là, Oaza le ministre, Oaza député, Oaza président de la République, sénateur, Oaza DG d'entreprise Songolo Pakala, ni qu'étaient ces enseignants-là, ils ne seraient pas là où ils sont. Mais fort malheureusement, bazakuna na parlement, bazakuna na exécutif, bazo kipé conditions enseignantes. Donc, moi je crois que rentrée scolaire oyo, bien que bazongi bana bazongi kela si tout ça na posa ba na biso baza la former, il aurait fallu que gouvernement azo ba précaution dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Abongisa, conditions de vie à enseignant, azo ba précaution pour pallier ou soit pour endiguer propagation à coronavirus, azo ba précaution pour créer ba salle de classe moussous parce que nous sommes dans la période de la gratuité de l'enseignement. Ba salle et aux alébé, ba élève ba aux alébé na ba salle. En sa disposition, va créer ma salle de classe Yassika pour va dégager certaines salles de classe. Mais malheureusement, tokei kaka na ba condition ngwana moko. Tokei bobo mesa. Donc c'est comme si le côté bika que na mois de septembre, ils ont rentré scolaire, donc les gens sont habitués comme ça. Oui. Et puis le gouvernement va mettre ça na ba bongo, donc rien ne change jusque là. Donc on a ba solution mon côté ba bika que non, voilà telle date vous voyez tout fixé et puis pour na kozong sa kaka ba na kela ce moment que non et le gouvernement ba zona ba ba précaution. Ba zo ka ba précaution théorique. Bon, le banan mon encore. On a dit ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Tu dis, précaution pour éviter la propagation de coronavirus dans les écoles. Nous allons créer de nouvelles salles de classe, ainsi de suite. Mais malheureusement, dans la pratique, malheureusement. Surtout la praticabilité. Il n'y a rien. Non, surtout la praticabilité. Il n'y a rien dans la pratique. Donc, ce sont des précautions théoriques. Ce sont des précautions théoriques. Dans la pratique, il n'y a absolument rien. Moi, je suis un peu sur le discours de l'homme politique, on a séduit. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. En tout cas, vous avez un peu de temps. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez trois fois dans mon corps. Vous avez exécuté ce que vous avez dit. Tout le monde vit dans l'illusion. Mboka o penza. Nous sommes potentiellement riches. Tous en bas cuivre, tous en bas coltan, tous en bas cobalt. Tolia cuivre. Jour ni nous avons cuivre, tchango na nzungu, lambi cuivre bandi kolia. Aux cobalt, tchen na nzungu bandi kolia. Là, ça, c'est juste une parenthèse. C'est pour dire que, babilo, quoi, na ba richesse, ou na ba sol, na ba richesse à sous-sol, ça ne bénéficie pas à la population. Surtout aux zones à répercussion dans le domaine enseignement, nous sommes en train de voir le président de la République. Moi, je dis toujours que le président de la République est animé d'une bonne foi. Il est animé d'une bonne volonté. C'est lui qui nous a dit que l'enseignement sera gratuit.
Mais le Congo n'a pas de moyens pour financer lui-même la gratuité de son enseignement. Nous avions beaucoup plus compté sur les partenaires internationaux. Tu vois le grand problème. Le président de la République a beaucoup plus compté sur les partenaires externes. Parce que le budget n'a pas été voté, budget à 11 milliards. On a vu qu'on ne sera pas dans la possibilité de mobiliser 11 milliards. Budget équité, tine à 5 milliards. Mais c'est comme s'il avait, comme on dit, il avait mis la charrue avant le bœuf, c'est ça? Non, il est ambitieux, c'est tout à fait normal, il est ambitieux, mais nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas été capables de mobiliser 11 milliards. Alors que gratuité enseignement, pour que la gratuité puisse réussir, pour l'année Moko, il nous faut 2 milliards de dollars. Vous voyez? Puisque tu as mobilisé 5 milliards pour le Congo Mobimba. Mais est-ce que la gratuité enseignement est un peu plus de 2 milliards? Est-ce que vous avez 2 milliards pour l'enseignement? 3 milliards? Il nous faut 2 milliards de dollars. Vous voyez? Puisque vous avez mobilisé 5 milliards pour le Congo Mobimba. Est-ce que la gratuité enseignement est un peu plus de 2 milliards? Est-ce que vous avez 2 milliards pour l'enseignement? 3 milliards pour ne certifier le secteur, pour ne certifier le secteur, c'est pratiquement impossible. Les présidents avaient beaucoup plus compté sur les partenaires extérieurs, mais fort malheureusement, ces partenaires extérieurs-là, pandémie dans le Kanabango, moi, je suis de la biso, je suis de biso, et je suis de la que la gratuité de l'enseignement a beaucoup souffert. Mais espérons. Donc, Congo, le Congo vivra toujours un espoir. Espérons que cette fois-ci, ça va tenir. Et en espérant là, et maintenant, que va devenir nos enfants? En espérant. Parce que, c'est la question que vous et moi, nous devons poser aux autorités. Bango ba autorité ba tie ba enseignant na ba condition ambiente ba enseignant ba lobini lokwa nga na za na ba condition ambiente moyen à s'occuper à 100% na ba élève wana za te aya pesika ko ndenga lingia ba kol msu se zaki pa ani o uto leka yo zo ba ku repesa mi malam ba kol msu se zaki enseignant ki nda fandi banda fanda ki otangi sana ete aza nouvelle unité to aza non payé. Et puis que le quoi, comme la gratuité, on fout en abongate. Ce qu'on entend, c'est se poumoner pour nani. Non, il y a un coup de poussière à créer dans le monde, on n'a pas malade, on peut se faire en salade. À qui la salle de classe à Fandi, on a 7h, 12h, on a babimi. Vous voyez? Donc, l'État congolais devait prendre des précautions, des dispositions au préalable pour faciliter cette rentrée scolaire. 2020-2021, et ça n'a pas condition à malam. Mais à la lueur où vont les choses, moi je vois déjà que année Oyo, année scolaire Oyo, et que Zalaka Kako Tepa, Naba Kokosol Lokola, année Oyo Tikosila. Ok, merci beaucoup, Neko Joël Diawa. Les Kamoussous Pesali Kambo Oyo, Kaka. Par rapport à la précaution, peut-être que l'État a enseigné le Kozoa, tout le monde était kidnappé et comme moi trop. Surtout, il y a des gens qui sont là. Moi, j'ai appris que voilà, comme il y a des gens qui ont kidnappé, ils sont dans les classes, ils sont là. Ils sont là pour les parents. Je suis là pour les potos, ils sont là pour les parents. Ils sont là pour les parents. Ils sont là Zamba Yandangi, hein? Si vous Zamba Yandangi, c'est juste du côté UPEN, au côté Mwanda, au côté Sangamamba. Donc, les gens qui sont criminels, ils commencent à enlever les gens, ils ont mis les gens, ils ont mis les côté ils ont mis les gens, 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 ils ont mis les gens.
Donc, si vous avez un peu de temps, Parce qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants, moi la sœur de gestion qui a la classe dans la bimaki qui met tant jusqu'à 14 jusqu'à 14 heures. Moi la sœur moi la sœur on va travailler aux joyer. Alors tout le monde ça à moi la tante habitude que nous voilà moi là après la caca à ben la cause elle nous quitter. Ah c'est amener le corps parent il y a moi on a vu moi là tant soit comme moi va dire à Koluka moi la caté. En tout cas les parents aussi doivent aussi veiller à ça. Tu vois que connaît que moi on a que là si il est pas disposé disponibiliser mutu moko wa ko ko ne kozwa mwana wana en tout cas l'état congolais passe la effort wana ya kozala te sécurité ya bana ko kozala na makasi ko te bata ya boter mabé ba komi penza ebele mokili na biso esi ko beba mingi ba ko kozwa kabana ba ke na bona zamba ya ndangi en tout cas l'état congolais surtout sécurité ba meka ko tala un peu situation des collègues ko na zamba ya ndangi ba sai ko le ba to sai ko on les fait ko me ba onde kuna parce que quand même on a na zamba na ndangi ba ça ba on ne soit ba c'est que ça la pour te ba za mon solo oyebi par rapport à sujet wana c'est quelque chose qui est récurrente na Afrique de l'Ouest. On va se souvenir na histoire il y a Boko Haram na Nigeria ba djihadiste ya Boko Haram ba kendaka na école moko na Nigeria ville na Bosani. Ils ont enlevé toutes les filles parce que c'est Ezaki lycée. Oui. Ba koti ba enlevé bango nyonso. Ba enlevé ba fille nyonso ba zala ki na école. Ba kenda na bango. Donc ba comment ko sala ndenge chantage ndingo lobby non to zana belé ba bana na bino awa. Avant, il faut bofuta et ainsi de suite, il faudra que le gouvernement puisse négocier, libérer ceux de nous qu'ils ont captivés pour biso peto libérer l'élève. Oyebi lelo oyo, ils ont libéré une partie. Mais une grande partie ba commandé basi ya ba Boko Haram ba botisa bango bana na désordre. Et aujourd'hui, la plupart y a des lycéens, rebelles, y a Boko Haram. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre avec beaucoup de sérieux. Mm-hmm. Avec beaucoup de sérieux. Ndengo lobi wana to lancer alerte. Il faut pas ministère intérieur, na service en renseignement, il faut pas avoir précaution, il faut avoir disposition. Pour que biloko wana et ça les maralisusuté pour que biloko wana ça les maté ba banana ba élève bana miké chantage botinda mbongo pona ko libérer ti au mona ba terroriste ba comme kabaka ya terrorisme ah on va terroriste ba enlever ba tumo ba ke bomba ba on quelque part avec la lue ouvrant avec la lue ouvrant ça commence toujours comme ça. Oui. Donc les services des renseignements, je crois que vous êtes alertés. Le ministère de l'Intérieur est également alerté. Bah, on a déjà à disposition pour que Babilo Kouana et Zonga les sous-soutés. Et si là, voilà. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Je veux dire, nous avons tous les sujets de Semi Balé. Les Camerounais, les Koulouna, les Bandité, les Bandékoué, les Ondjolo, les Bataille, qui ont Semi les outils collègues, les Dolbé, les Camerounais. Donc, Batou Bengi. Batou Bakomi, pour la situation, on a vraiment et commis pendant des collègues. Bakoulouna, Wana. Parce que quand il y a Léon Jolie, tu as l'émission, tu as un jeune, tu as un jeune qui est jeune, tu as un jeune qui est bon, tu as un jeune qui est bon, tu as un jeune qui est bon, alors, tu as un jeune qui est bon, tu as un jeune qui est bon, alors qu'est-ce qui fait que
bah oh on m'a dit que la cave coulouna est-ce que ma coulouna mais ça ma vraie coulouna parce que à l'époque de lui c'était bah chégué est-ce que bah chégué wana hein c'est là où j'aurais dit est-ce que bah chégué mais ça que bah on a bah c'est transformé en coulouna tous les années je dirais non moi une bah chégué à l'époque bah chégué ça terme moko to bandai qu'on utilisait pour nous qualifier ce que nous appelons généralement les faiseurs. Les faiseurs, on a tellement que les gens sans abri, les gens qui sont de l'autre côté. Alors, comment est-ce que ça a l'extorsion à marque pour que les gens comment vivre. Les gens qui sont en train de se menacer, les gens qui sont en train ainsi de suite. Mais le gangstérisme urbain, c'est vraiment une autre chose. Et ça, il y a une dimension misusu. Il y a toujours qualifié en quoi tu as été. C'est différent. Dans chez Gana Kouluna, c'est différent. Bakouluna, wana, eza, kaka bato to fan dans na parce que Bakouluna, ces Kouluna là ont des domiciles. Tout à fait. Par contre, chez Gana, bazar banda ko esika bando fan, tu sais, on a chez Goluka et wapi. On a ainsi que Luka été. Mais les Kouluna là bazana ba domicile to ebi tata na to ebi mama na to ebi bande konaye. Le problème c'est quoi avec ces gens là? Bien sûr to lobi l'éducation des bases c'est l'éducation familiale. L'enfant peut ne pas rater l'éducation au niveau de sa famille, mais il faut azala quand même encadrer dans la société. Il faut la encadrer la société. Le problème c'est que l'autorité na biso batia qui va garder fouté pour nako encadrer bana wana. Tant que moni ba comme une proportion moko inquiétante, il avait fallu que gouvernement azo ba disposition à travers le ministère de l'Intérieur. Moi je martèle toujours ministre de l'Intérieur, oui, c'est un ministre de l'Intérieur, mais je ne le sens pas vraiment. Je ne le sens pas. Parce que c'est lui, le ministre de l'Intérieur, qui doit donner. Parce, intérieur et sécurité, surtout c'est ça. C'est lui qui doit donner l'impulsion. L'instruction, Oyo, bah, chef à la police, bah, Bozoa, et que vous n'êtes pas un ministre intérieur. Ça, c'est un fait. Batouana ezaka kalikambu ya encadrement ba ba simba machette. Moi j'en connais beaucoup. O bazaki vena ba to machette. Kia de lokuma na zona e cop na e. Azo cop. Peut-être akoma na cabine na e afanda msusu akoto to école akoma mécanicien. Tu vois? Nde balobaka balatiniste bazaka na expression mo balobaka pekunya non olet. C'est-à-dire que l'argent n'a pas d'odeur. Mutuana oyo aza kuluna lelo. Ce qui ensemble ministère intérieur, ministère des affaires sociales et action humanitaire parce que ce ministère là doit être aussi impliqué na kaya ba kuluna. Ministère des action humanitaire a organisé batuana. Ali bon, il faut to ba oto bando kanga. Soto kangi bango au lieu to tia bango na makala ba fanda non. Il faut tout Lucas tout changer stratégie. Tu tindi bango quelque part, tu koti bango une école de formation, ba subir formation moko boye. Soit tu tindi bango quelque part, ba ke sa la bilanga. Ces gens-là deviendront utiles à la société. Mais par rapport à ce que tu as Bécurie, parce que Bécurie est ça et yebana hein. Et vous avez écurie zombie. Oui. Écurie ce qui n'est pas gilet. Bouka mapeka. Bouka mapeka. Écurie ce qui n'est pas. Donc, mais écurie, on a payé mani. Dans l'état, vous savez que mes écurie, on a boué. Mais pourquoi est-ce que vont on a continué kaka? Et puis, l'autre, c'est le bel qui est kamouya, que voilà. Ce sont le même pour nous, on a dit qu'on va policier. Est-ce que, on a sûrement que non, et bien, comment est-ce que ça? Vont on a continué tout simplement parce que. Nos autorités ne prennent pas les mesures drastiques. Ce qui conduit au cannabis, l'oba qui pense que bon, biso, il faut tout ça l'effort aussi. Ça, bon, gangstérisme urbain ici l'a raté. Même en Europe, il y en a.
Mais où y a biso proportion où y a yango ezwa, il faudra quand même que les autorités puissent se lever pour que bah mettre fin na bilo kwana. Mais malheureusement bah autorité na biso ils ne disent mot bah autorité na biso bah fanda na bango bah mona ndenga uti kolo bah tolobe la kiyango na semaine eleki tu verras bango bakulu na wana comme la diambe sika mona policier comme éclaireur asimbi munduki alati tenu yona pa ko mutambola ba ko mbenge policier mais non konzi oh mokonzi konzi ba ko mbenga epe policier. Mais pourquoi est-ce que les autorités ne prennent pas les dispositions pour stopper cette histoire? Alors ils sont au courant. Mais parce que je veux dire, ouais, c'est chaque année, hein? Chaque année, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train de se faire. Donc, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train de se faire. Parce que nous sommes aussi dans des quartiers populaires de la ville de Kinshasa, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train. Quelques temps après, deux, trois semaines au Mounéwana Zongi, au Misoki Moutaouti, prison, à subir peine, mais abîmé. Oui, tu t'es au Yokoma Nango. Pas lui qui n'a outa qui n'a outa qui n'a bimagi, ce qui va côté singa n'a bimali sous. Oui, tu t'es au Yokoma Nango. Et puis autre chose, on appelle à Zoka moi. Bah tu m'as appelé sur ma B c'est ma magistrat hein parce que tu vois quand on a tout la qui n'a pas bien malanga et pour éviter non ma magistrat comment on va corrompu ma magistrat comité bah quand il coule le moto que non voilà attaque criminelle monnaie ne bah quand il est mais ceux qui a commis un bon coup magistrat ça a libéré tant on s'en fout si mon bon ouais ma fout si mon bon c'est ni tant on se a subi même pas peine naïe donc a subi même pas mais le fait que abimi si bon on aïe abimi si et puis abimi si moto voilà est-ce que bandi penda te makambwana et que si la canabo canabiso oyo. C'est ça la situation générale de notre pays. Kobanza aussi là, c'est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ce qui ba autorité na biso bazui kaka ba disposition. Bazui ba mesure pour que ba mettre fin à makambwana et aussi la nango. Moi j'ai dit que c'est à cause de la léthargie de nos autorités. L'autorité na biso baza très passive plutôt. Na makambo etali sécurité à population. Makambo etali sécurité à population, nos autorités ba tenaka vraiment compte na ngote. Alors que ba kulu na wana bazo ko terroriser population. Oza na quartier na yo, imagine oza na quartier na yo, tu ne peux plus te promener en toute quiétude. Et puis, si on a un peu de temps, donc dans ma quartier comme bongo et comme que donc voilà mon temps ça m'a bé beaucoup de tiki kaka bongo tali noé kaka beaucoup de tiki naé kaka tant que vous montez même tout loco pardon la présence abino donc où ça ni où tout à la kaka beaucoup tant que ma maman n'est pas papa baso les canards bongo père baso menacé vite en sous jeune garçon bongo ça ni parce que aibi que sur la simi kuluna rokani mais bongo kani ane banana yé c'est ça si quoi toujours qui n'est pas plus intéressant dans boka oyo l'état congolais a tout ça la peine et fort mon côté que situation oyo vraiment et comme il y a comme une épidémie hein tant que corona virus que ça date bien et ça problème makasi dans boka na biso et ça vraiment problème mais ndebalobaka problème yo sezala na solution nango. Le gouvernement seulement les autorités ceux qui va s'imposer tout à copé cet exemple moi quoi une émission qui on avait vu une époque à il y a général Kanyama quand il était encore inspecteur de la police ville de Kinshasa
Bien que pratique wana et bandaki correspondre bandaki correspecter ba protection à droits humains voilà, voilà, ouais. Mais quand même c'était des prédispositions oyo et ça là qui quand même que tout y a gangstérisme urbain et si là et diminué plutôt na ville à Kinshasa. Mais cette fois-ci, les autorités peuvent également prendre d'autres mesures. Et ça, la kaka oyo yandenge azwa kite. Et ça, la ndenge oyo général kanya mazwa kite. Mais ils peuvent prendre d'autres mesures. Oyo ko sala que gangstérisme urbain est diminué le sous nakati à Kinshasa. Donc c'est tout à fait possible. Mais justement, les autorités de notre pays, tellement qu'ils sont, ils ont leur tête à autre chose. Voilà les conséquences. Tout à fait. Donc, bande koyale onjoleo. Donc, toyo ki dengeni penza mokolo maleto mekiko. Kolobe ba sujet o tolobe liyo surtout makambo ya rentrée scolaire et puis makambo ya kuluna. Kuluna ana na Kinshasa et comme il est comme quoi tu viens tu bengaka kolia li pala mwamba. Donc li pala mwamba ofele. Donc kuluna et comme il est autorisé même devant la police. Hein? Donc devant même le policier, donc tu vois ça va au Kuluna, dans le quartier, aux hommes là que battu, aux hommes bunda. Donc aux hommes, donc et comme il est comme quoi on s'accalate. Donc bah quand il y a kidnappé surtout bas chauffeur, je crois que bon côté la image moi quoi ouais, beaucoup mon est un gros bas jeune garçon. Oh comme que nous voilà azo drogué bas drogué bas chauffeur pour avoir vraiment tout cas bas notamment dans ma arme blanche pour que bas mes caca ko bas chauffeur avoir vraiment tout cas dans na bandé là donc ils ont combien d'ayons nani monsieur plamedi masumba kitoni plamedi hein les camionnes les tiens comme na la police Banda lobi osana la police je pense. Oui, Banda lobi. Les Camerounais commissionnent à la police. Tout tambo la kina ba matraque électrique ngai na moninga na ngai. Moninga na yoko mona yenani. Kombona ye Isaac Bonjuku. Kombona yenani? Isaac Bonjuku. Isaac Bonjuku. Bonjuku. Nde ye Isaac. Ye. Bo tambo la kina yebo bokende wapi? To sala kina ye rendez-vous moko. Il fallait tout couper na molle. Oui. Mais tout ça là qui déjà na bah arme blanche na bisou déjà. Vous avez déjà na bah arme blanche. Arme blanche wana pona kosala na ngomu sala nini. J'avais qui prévu tout ça là chauffeur moko mabé. Non, loba malambo ti. Kosala mabé c'est trop vague. Ezaki prévu bo sala nini na bah arme blanche wana. J'avais qui prévu tout anéantir chauffeur moko toi bayemutuka. Vous avez prévu pour anéantir chauffeur moko boy bayemutuka. Isaac. Monsieur Isaac. Isaac. Oui. Yonde Isaac. Oui, chef. Oyo ki makambo alobi? Oui. Pesa explication moko place wana toyok. Isaac e banda ki ndenge nini et puis e koma na niveau wana koma ki wana. Tu vas na ba tra ki to planifier auto kuta na beaucoup d'ailleurs pour tous les taxis moi on a bivoua tous les express le matin a été ma campagne et puis demain tout ça est à zéro pour tout neutraliser tous à mitouka bonjour mitouka naie balbi yo za revendeur à mitouka balbi que yo za revendeur à mitouka commissionnaire et où revendeur à mitouka est ça bongo. Mais yo lobaki ke boteka mituka non bosa ba commissionnaire mituka yo na sala mo ba commissionnaire ba tunaibi deja ah ndeko le kaboy lik oyebi ba criminel mi bale oyo ba criminel mi bale oyo mo kwa sana gauche na mo kona droite ah likamuni yo na bango kam ba swenga na zoya uti moli na zoya boulevard na fer rouge na telemi hier hier pas na taxi. Je suis allé à la maison.
Et puis, vous êtes dans la police, vous êtes retrouvé dans la police, et puis, l'opération est continuée, allez-y. L'opération est continuée dans la police, on a vite une preuve, ils ont contrôlé ça, qu'il y a un bon 20 dollars, on a 10 000 francs. Et puis, beaucoup mieux, on a ville, on a Jemi West. Après, est-ce qu'on dit, ma camarade n'est pas un qui est, ça, quand ça dit, abîme. Si, maman, bon, abîme ici. Sangissa, on va aller. Et mon général, le voici, il s'appelle Isaac. Isaac a été démantelé vers 3h45. Vers 3h45 du matin, na cité Mama Mobutu. Villa numéro combien? 714. Villa 714, mon général. Il est très réputé, il est très dangereux. Regardez sa corpulence, regardez même sa physionomie. Il est spécialiste et à extorsion de voitures catch. Spécialiste des extorsions de voitures catch avec des armes blanches. Il a tout dit, il a des matraques électriques et laser pour neutraliser les chauffeurs. Ils ont des armes blanches. Bazana Basinga pour étrangler les chauffeurs. Hier, c'était le jour de la police. Ils ont tenté de mener cette opération. Ils ont pris une voiture en location à partir du centre-ville, sur les boulevards. Ils se sont dirigés vers ma campagne dans un endroit extrêmement isolé. Il n'y avait personne là-bas. Après, on a essayé de distraire les chauffeurs. Et puis, ils ont sorti les matraques, ils ont sorti les fils et ils l'ont étranglé. Dieu merci qu'il s'est battu jusqu'à ce que Isaac a pris fuite. Il a pris fuite cette nuit, mais on a fini par mettre la main sur son consort. Et à partir de 3h du matin, on n'a pas fermé les bras. Nous avons continué l'opération de recherche qui constituait à rechercher Isaac. Dieu merci que nous l'avons appréhendé à la cité et Maman Mobutu vers 3h du matin. Isaac est là, c'est un criminel de haut niveau. Je pense que c'est un homme qui doit passer à l'audience de flagrance. Si Isaac peut passer à la flagrance, mon général, la population serait épargnée des actes criminels comme ceci. Donc je reste soumis à vos ordres, mon général. Mandela. Donc c'est le comment que non l'État congolais met à côté un peu de situation. Oh sinon, batobazo koufa. Ils ont ma botte et belle, ma père de ma papa na bango, ma père de ma maman na bango. Donc et comme même à côté de maman t'as soukena à côté botte et m'a violé maman wana. À botte liembongo, à ce que t'as soukena bongo na ye, à ce que ko lukata ko kene moussa na ye, mais bah nana bako kanga ye. Bah c'est le bako ko sa na ye. Et ma maman basé qu'on nyo kama ba papa basé qu'on le téléphone na bango ba jeune fille ba jeune garçon parce que surtout ba jeune garçon mon avant c'est sérieux na quartier ça n'est propre ba cour ali comme na bango lisouté donc comme que non zela au moment là les kaisate zela oh quand ba heure mon que 17 ans zela on jamais na ko le kan souté donc to évite tout ce que ne va pina mboka oh surtout phénomène pour nous na oh vraiment pour te dire que zongela ngo pour et comme penza et le comment ko hein
vraiment l'état congolais mais côté la situation ya kununa oyo et cette situation moko o ezali ko limbisa peuple congolais ezali ko pesa passe toujours dénoncer de quoi toujours dénoncer c'est comme si l'état congolais bon à ce moment est normal hein donc quand on a comme tout faire un normal donc kununa comme dans fait moko normal or ezali penza mala mon mingité ezali ko kufa ezali ba tomo suba katani misapi atre lito imoko atre liboko moko pa mate abonda ki na été. Donc ça a bondi dans été ça parce que pour nous on a attaqué en gros. Tant que la cicatrice est longue, a bondi qui était à soi qui n'a été mais pour nous on a salé la attaqué. Surtout classe n'engue zongi bende que je vais dire ouais. Surtout classe n'engue zongi bonye. Bah na surtout oh parce que déjà 5e de dimanche 6e bah comment elle est passée. Surtout ma garçon ça regarde quelqu'un t'as les questions bien. Surtout ma question qu'on est d'accord t'as mal moi les questions. Bah t'as question question bien moi ça t'es bien ça téléphone n'est bien. Bah courir dans l'eau bah cause la ouais. Et puis ce qui est moula et bête, donc comme la peur d'un moula, tu es évité. Hein? Moi j'ai un exemple sur cette question. Moi-même je l'ai vécu de mes propres yeux dans une école qui est non loin de chez moi. Ma couloune a rôdé tout autour de l'école, ainsi de suite. Ma couloune a comme qui koya. Bah télévine école ou anasuba Monica Ndolobi moi jeune garçon moko boye élève moko boye zana moi propre à la timo catch na ya bien bani bakangie bah comment contrôler ça qui bah botolier catch bakay et puis dans le belo kwazate dans le belo kwazate qui est comment qui période moko et comment qui bah autorité école bah comment que ko négocier na bakuluna. Oh non, topé Sabino Mbongo. Oui, moi-même, je l'ai vécu. Non, parce que négocié na bakulu na topé Sabino Mbongo comme ça bossa la sauce makambwana. Ils ont donné de l'argent à ces kuluna là pour batika makambwana. Batika ba élève na bango. Tu vois l'impuissance de l'autorité. Donc autorité a commis tellement impuissante que devant kuluna zo ko ka sauce a cédé. Ndete yo ka ki dernièrement na Goma, maire ya ville à Goma, lobaki a sali communiquer moi sengi na ba rebelle nyonso ba sala kanakati ya o ba sala ka makam na bon na kati ya ville à Goma. Oh non, Nicolo le quoi chef de l'état za kotoyo botika na nu bo sala su te boze la so chef de l'état kei peut-être beaucoup zongi la makambu na binu. L'impuissance de l'autorité, c'est vraiment déplorable hein? De la même manière l'autorité école wana ba kinde ko négocier parce que tabo ke funda bang pa ba police ba police les policiers ne feront rien du tout. Alors, quand les policiers ne feront rien ba autorité école ba koma ki une obligation kinde ko négocier na ba kuluna wana to pesa bino mbongo comme ça botika ba pratique wana. Donc l'état congolais mon mec a coté là non bah y'a kuluna bah y'a parce que y'a kuluna bah comment penser à kotungi samingi et comme donc sur quoi le bah mon tabi si comment on peut monter mais allez combien taio on voit qu'on a même crise hein donc on a même crise pour qu'on évite que ce air on sait les combien il y a place ou bien en tout cas na cause la peine na insécurité donc autorité congolais bon mec un peu coté la situation bah kuluna oyo c'est de trop. C'est chaque jour que les gens se plaignent. Il y a ma cambe, il y a ma couloune, il y a ma cambe. Vous allez vivre, vous allez penser, madame, dans le quartier, dans le biso. Comme vous savez, il y a un sabotage. À côté, c'est le pan au boy. Le pan où il y a un côté, mais il y a un sabotage. La carte, c'est le pan où il y a un panzi, il y a un bébé. Calmement, bonnement même. Sans pour autant, vous ne pouvez pas interpeller. Vous ne pouvez pas dire que vous avez dit 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 pouvoir ouana ba kuluna donc muda comme que ya kuluna limbisanga ya jona onyo so blo mo bon au moment que notre état congolais fait qui était les mena makambo oyo sinon et cause la pensa que des c'est moi en Afrique du Sud hein donc ba blo comme ça la makawana donc moi passé comme pendant moi comme ça mon côté m'a passé pour la kolobela makambo ba kuluna oyo l'état congolais c'est quand l'état congolais et ben sécuriser ba tout surtout pour la police na biso bote lema la police un message toujours comme dans le pipi na population bon mais qu'après quand tika les cambois en général quand sont au téléphone bah jeune ailleurs on va message toujours que non voilà
Au lieu à tchat ordre, à quoi les policiers y a des ordres. Voilà comment on me l'a dit. Parce qu'à quoi quand on me l'a dit, il y a pas quoi c'est volontaire dit en bas. Tant que vous avez quoi, il y a pas comment on me l'a l'autoco. Tu sais comment on a mingi. Ma policier n'a pas dit comment on me l'a dit. Policier n'a eu la langue n'a yé. Policier n'a eu à dire comment ça va pas comme. Et dans la tina, de au moins que votre maison coupe, faire mettre ça si n'importe quand, n'importe où, parce que bas dit pénal a habité ma terre ni mon père ça comme policier n'a bino. Nous mais quoi c'est volontaire. Policier c'est pas la combattre là. Population. Avec pour la robot la population, peine va bien aller. Alors, tu sais que c'est un intérêt général qui sont tels comme la colonne, au beauté, les ménages pour que la population peut être comme la chimie. Bon, on va déco, tu le bipé moi, mingi, je veux dire, on a évité ça, le bain soukato, n'a qu'un ici que tu le bipé déjà presque n'y en sort. Maintenant, si il s'en a au loba, il loco aussi pour le bain à souka, awa, yo qu'un ici banani oyo. Ce sont les policiers et les FRDC. Tu as vu Banda quoi, Bangoué Belo, Bangoué Baté Karadiam, Basco. So Bangoué Baté Karadiam, Bas client à Bangoué Zalabana. Bakulun. Comment est-ce que yo Okondima, Bas kanga client na yo, so Bas kanga client na yo, Teka les sous-tés. Là, c'était juste. Ma conclusion pour dire aussi aux autorités que bota la paix ba policier nabino ba militaire nabino o ba teka kabilo kwana na banda kuna bango bangonde pe bazo ko entêté tout à fait ba o bazo ça la gangsterisme urbain na katia ville à Kinshasa. Voilà. OK, merci beaucoup très cher attendre d'aller un jour au tokombo na suka ya émission ya biso ya réflexion na bokolo malelo. Bon on a évité bozala ki ebele mingi. Tozali peut-être na posa ya ba mituna na bino tozali na posa penza ya ba comment on dit ba suggestion na bino. Tozali vraiment na posa na ngo mingi na kasi émission ya réflexion. Surtout tozali bozala posa moto to débattre sur un sujet au bolingi. En tout cas, bon j'étais ko comme na biso tozali va tozali disponible pour na ko débattre yango. Voilà, quand c'est plateau de bus bongo te possible ma tonne de mingi na bino ba yebon so ko la mingi so sa mo ko lo malelo to sa yebongo ko zela te ko zela bitula na bino bi ya na bino to epe ko zela yango en tout cas to ko zela mo pele ba boko ya ko funga mani na uti ko lo ba awa bongo to ko kuta na so emission na bino ya mara sima to epe na sujet mo ya ko lo bela awa kaka na kati ya plateau na bino to sa yeba sujet bi ki bi ke to ko lo bela awa en tout cas na kati ya emission sa reflexion bon za pete mo za ya kawana pote bon meka. Et ensemble, on va réfléchir ensemble à la communauté de Kinshasa, bisous à la République démocratique du Congo, plus précisément la ville de Kinshasa. Donc, Tokoyo Kamoka à la carte, il y a Michel à réflexion. Bon, on a passé ma tonne de peine. Équipe technique suivie dans mon combat, dans mon univers suivi biso, dans mon univers Thierry Batondo, na sima ya caméra, na bino ba moto na biso Russell et ngapé na exosso dinga ma tondo mingi na bino kuna na mon congresso don bula ma pression ma tondo bisika ozali. Papa Iboala mon lundi on est allé en jolie la pression ma tondo mingi bisika ozali. Bongo tokutani ba na sima na numéro na biso ya sika.